Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un logiciel qui permet de trouver tout ce qui est plagiat dans vos textes. Donc ça peut être intéressant pour les TFE ou même d'autres gros dossiers. J'ai pris ici comme exemple un article au sujet de l'Apple Watch. Assez bien de sites internet en ont parlé, donc je me suis dit bah, pourquoi pas avoir ici le plagiat. Donc comme vous pouvez voir, c'est Kingifo apparemment. Alors, ici, donc, vous venez coller votre texte et ensuite vous cliquez sur Search. Donc, il faut un petit temps. Faut un petit temps avant qu'il vous mette s'il y a du plagiat ou pas. C'est tout à fait normal. Et une fois qu'il a trouvé, donc, il vous l'indique plus bas où est-ce qu'il a aussi trouvé le texte, un texte similaire sur d'autres sites. Donc, on a retrouvé où est-ce que je l'ai pris. Donc, ça, c'est normal. Mais comme vous pouvez voir ici, par exemple, www.tech24.fr a repris exactement le même texte, mis à part avoir changé quelques informations. Et ici, Geek News, pareil. Donc ils ont exactement pompé tous le, enfin ils se sont, ils ont tous le même texte. Donc niveau originalité, bah, c'est pas extra. Et surtout qu'ils sont censés sortir des annonces et pas tout simplement faire des copier-coller. Donc ce texte, enfin ce testeur de plagiat. Il est gratuit, vous pouvez le tester donc, gratuitement. À partir d'un certain quota, il va vous demander de vous inscrire. Donc c'est très simple, vous mettez votre email, vous inscrivez. Et à ce moment-là, vous avez encore un nouveau quota. Et après, bah, il vous dira, lorsque vous aurez fait beaucoup d'analyses, il vous demandera d'attendre 24 heures. Ce que je vous conseille à la limite, c'est de créer une autre adresse. Et ainsi, bah, vous pouvez continuer votre recherche de plagiat ou autre. Et donc voilà, donc, si vous avez des questions ou autre, vous pouvez me les mettre dans les commentaires et je vous y répondrai plus vite comme d'habitude.